Microsoft annonce la plus grosse restructuration de son histoire en décidant de supprimer 18 000 emplois d'ici un an. Ce chiffre représente 14% de ses effectifs. Cette restructuration est en grande partie liée à l'intégration de Nokia, le fabricant finlandais de téléphones portables qui avait fait grimper d'un quart les effectifs de Microsoft à 127 000 personnes. C'est donc en majorité au sein de la filiale Nokia que se feront les suppressions d'emplois, 12 500 sur un effectif de 30 000 salariés. Quand Microsoft avait acquis Nokia en avril dernier, le groupe américain avait déclaré qu'il réduirait les coûts dans les 18 mois suivants.